Devant. Donc on est déjà à 34 secondes devant. Et voilà. Le trou est fait. Toujours en même temps. Allez, allez.
Allez, allez, Corentin. Allez, je crois que c'est mort. Allez, Corentin, allez! Rien du tout. Une heure de course. Cinquante secondes. Il y a un contre. Thank you.
rappelle à l'écart est retourné déjà à 35 secondes par rapport à 10 coups en contre. Voilà, 10 coups en contre-attaque, l'écart est retourné à 35 secondes avec Guillaume Rose qui relance maintenant sur l'avant. Voilà, on y voit là-bas, le groupe de Guillaume, on est en première maintenant avec 10 coups interpellés et on va retrouver un écart qui donne d'une trentaine de secondes, à peine peut-être même moins de 30 secondes avec les coups intercalés. Voilà les 10 coureurs que j'avais cités à l'instant qui sont en train de retrouver en première en deux avec soin de mieux. Qui est en train de passer le relais en tête du groupe de compte pour l'instant, avec notamment le 3 Prochain tour grimpeur. Tour d'après, on mettra une prime sur trois coups. Alors, prochain tour grimpeur. Tour d'après, prime. Prochain tour grimpeur. Voilà, j'ai l'impression qu'on a reculé quelques secondes. Alors, c'est un petit peu plus chaud. On les voit là en train de tirer. On était à 30 secondes avec le groupe qui est là. Pour l'instant, ils sont en train de venir avec Persan qui est là, le corps du team Pays de Briec-Paprec qui en met à 25 secondes, les gars, 25 secondes avec Gormelon qui est en deuxième position. Je sais là venir avec le maillot jaune du CC Bourgland. Derrière, on est en train de sortir, c'est un petit peu la débandade maintenant. On a bien compris que si on reste dans le peloton, ça va être terminé. C'est maintenant ou jamais pour sortir de ce paquet. Ah, finalement, là, on va peut-être changer, il y a des groupes un petit peu partout. Et là, maintenant, il est plus que temps de réagir. On va passer à 1 minute sur la ligne. Le car s'adoucit avec une certaine tour. Allez, là, il faut y aller. Thank you.
50-30-20 sur la ligne, les gars. 50-30-20, 50-30-20 sur la ligne. Ah, ça va être serré à 6 tours de l'arrivée. Voilà, le R vient prendre la première part de prime. Manchette a pris au bout de la deuxième part. Voilà, c'est très serré hein, sur la ligne. Et on va retrouver hein, toujours à 25-30 secondes. Ça rentre pas pour l'instant. Et on voit, on s'entend bien derrière. Hein, tout le monde passe. On est sur deux lignes. Une entente cordiale, malgré tout, le premier garçon maintenant qui est en train de repasser le relais, un garçon qui a déjà gagné pas mal de courses hein, par le passé, le premier garçon. On passe à une trentaine de secondes, écart stabilisé. Hein. Pour l'instant, on ne retrouve rien par rapport aux 7 coureurs à l'heure. 30 secondes sur la ligne avec les hommes du contre. Voilà, le peloton beaucoup plus loin maintenant, on est au-delà de la limite. Et on voit que deux coureurs tentent de sortir à l'instant. 6 tours les gars pour étendre le temps. On va regrouper sur la largeur de la route. Ça veut dire que ça ne roule pas. Et c'est pas comme ça qu'on va réussir à revenir sur les hommes de tête. Allez, on va retrouver deux coureurs intercalés dans quelques instants sur le passage. Allez, c'est pas donc jamais les gars qu'il faut tout donner avec Jean-François Baudier, le port du WC Verrois en deuxième position. Et avec Romain Weber, Romain Weber, à cela les cochons. Allez, Corentin! Avec Axel Brady, un des meilleurs coureurs de VTT en Bretagne. Allez, 25 secondes. Allez Noël, allez! Allez Corentin, allez! Avec Thomas qui va prendre les points, avec Leher, avec Rouet, avec Kozoupen, et avec Brave qui m'a les points à l'instant, avec Sebefren qui va peut-être rentrer le premier à 4 points, avec Antoine Dufresne qui passe à moins de 10 secondes de la tête de course, Antoine Dufresne va le suspendre, et le groupe ici à 15 secondes, les gars, 15 secondes. Voilà le groupe avec 9-14 par étape. On l'avait vu gagner à l'Antonette, à l'Ankidic, un garçon également quelqu'un bon aussi, ne me croise pas, il y a quelques années, qui avait gagné notamment le titre de champion du Finistère de Vinéo.
À Châteauneuf du Fou, c'était dans l'hiver 2016-2017. À l'époque, il était chez les Minimes. Et là, on va retrouver le groupe avec Weber pour les places d'honneur. Avec Weber, avec Le Dez, avec également le corps de Lombard, avec Nicolas Bannière notamment. Un garçon qu'on a souvent vu dans les places d'honneur. Le peloton à pratiquement 3 minutes maintenant. Des coureurs en deux têtes, la bannière qui était interpellée à l'instant avec Weber, un garçon qui a gagné en tête cette année, le corps du Lespé de Lamballe. Voilà pour les quatre coureurs intercalés. Et on va retrouver maintenant l'avant-garde du peloton. Voilà, ce sera pour les places d'honneur. Hein, les groupes de côté, avec l'accélération en tête au peloton de Hugo Maillet, le coureur du VS Courbevoie. À 12 secondes, une dizaine de coureurs. Ah, le frein n'est pas rentré, semble-t-il. Prochain tour, 50-31, les gars. Prochain tour, 50-31. 50-31, prochain tour. Allez, les gars, ce sera devant la prime au prochain tour. On va passer en une dizaine de secondes. Là, on est là avec le corps de Lombard qui est en train de. La tête de course. Alors il faudrait que ça se regroupe à 17 secondes, que ça commence à se regarder pour que ce groupe-là puisse rentrer. Et on va donc retrouver le groupe intercalé avec le groupe Romain Weber, le cinquième de la classique des Alpes cette année pour le corps du CC RD Gaborik. Voilà qui emmène le groupe là à l'instant avec le corps de Lamballe hein, également. On va passer à une fin 7, les gars, une fin 7. Voilà, là on retrouve les corps pour la place de 18, 19, 20 et 21e. On va attendre maintenant le 22e hein, sur la ligne. Autant dire qu'il n'y a plus de place à prendre aujourd'hui. Voilà, tous ces garçons qui vont arriver dans quelques instants vont jouer complètement battus aujourd'hui. Et il y a quelques costauds hein, qui vont jouer battus. Allez, on a un coureur tout seul là. On a vu que Antoine Lefren n'a pas réussi à rentrer sur tout seul sur le groupe de 7. Il a retrouvé sa place dans le groupe derrière. À 12 secondes, oh, j'ai l'impression qu'on doit rentrer en derrière logiquement. Allez, les garçons qui sont sortis du paquet maintenant. À 3 tours de l'arrivée, les gars. 3 tours de l'arrivée pour les coureurs qui passent à l'instant. Et on va retrouver à l'instant Hugo Maillet, le coureur du Vestou, tout va voir, qui était sorti tout à l'heure. Voilà un garçon qui. Allez, Corentin, ça se fait ça! Notamment. Et puis on va retrouver maintenant pour le peloton à l'instant notamment Robin Kahn, le corps de. Ah, il me semble que Julien Luer est toujours là avec Loan Rouet, les corps de Team Sparrise qui sont en train de faire la prime 25 ans de 30. 20 avec Benet, avec Manchel qui est là également. Et on va retrouver toujours une douzaine de secondes avec par le groupe intercalé. Allez, il n'y a plus que 4 corps devant. Allez, le corps de Lamballe, hein, Gwendy Duval qui est en forme sur ce mois d'août, qui est en train de faire l'effort. Allez, une dizaine de. Sur le final, on est à moins de 10 km de l'arrivée. On va retrouver le groupe. Weber notamment pour la place de 18e. Et là on va retrouver donc les 4 coureurs. Il y avait Weber, il y avait Le Dez, voilà, qui ont été repris hein, depuis quelques kilomètres par 2 autres coureurs. Voilà les coureurs qui vont faire les places de 18, 19, 20 et 21 aujourd'hui. Voilà, on retrouve les coureurs à 2 tours les gars, 2 tours de l'arrivée, 2 tours de l'arrivée. Voilà, on retrouve également le corps de Lucé Kipava hein, qui est là dans ce groupe de 4 coureurs avec Cabot. Et on a également dans ce groupe Nicolas Bannière, un garçon qu'on a souvent vu bien placé cette année, vainqueur à Angèle notamment, deuxième à Lanrenant. Dans les convois, il y a 2 autres coureurs intercalés maintenant. Voilà, les écarts sont maintenant. Anecdotiques, ils sont importants, on est largement au-delà des 2030 avec
avec ses coureurs. Il y a la plupart des leaders hein, dans ce peloton. La plupart des gars intéressés par les points du poisson du côté de l'élite qui sont là. Allez, Corentin, regroupement, ça va être le dernier tour. Avec les coureurs qui tentent de sortir maintenant, avec les Cavaliers, avec les Cavaliers, avec Yandy Duval qui est là également. Attention, allez, ça contre à l'instant avec également Louison Marchadour et le reste du groupe à l'instant à un tour de l'arrivée avec les coureurs. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, les écarts maintenant ne servent plus à grand chose. On voit, c'est important pour le final. 18e place, les gars, avec ce groupe-là. Voilà, avec Romain Deler qui faisait partie des photos avec également. Le corps de Lambal qui a gagné hein, déjà cette année, qui est parmi les battus là également aujourd'hui avec le Dev, avec Cabon qui est là également, le coureur de l'UCI Guy Pavot, Clément Cabon, lui aussi on l'a déjà aperçu depuis le début de la saison parmi les meilleurs qui passent seulement maintenant, vainqueur à Guy Pavot, vainqueur à Poulain également cette année pour Clément Cabon, le coureur de l'UCI Guy Pavot, encore de 23 ans, voilà, qui va terminer beaucoup plus loin aujourd'hui. Par rapport aux 17 coureurs de tête. Allez, on avait dit la prime par rapport à partir de maintenant sur les coureurs. Il y aura 30-20-10 les gars sur la ligne. 30-20-10 sur la ligne. On l'avait dit à partir de maintenant. 30-20-10, 3 par le prime, les gars. 30-20-10 sur la ligne. Allez, on a surlancé hein, pour garder la prime sur la ligne. Dernier tour. 30-20-10 les gars. 30-20-10. Allez, on va retrouver les 30 euros pour le meilleur grimpeur avec Allez Corentin! Thomas Granek en troisième position en ce qui concerne les coureurs du peloton à 7. Il y a beaucoup de monde pour la place de deuxième. Ah, le corps est sorti. Ah, il me semble que c'est encore des petits parois. Il semble aussi avec le maillot plus foncé. On a encore deux Quimperlé. On va retrouver ça dans quelques instants sur le final. Et finalement, à plus, c'est le corps de Lambert. Avec une petite nouvelle, il est beaucoup sur ce mois d'août, la couleur qui est en tête, la victoire, elle retrouve en 3e position, Loan Roué, il me semble que le frère, on va tout faire le salle des arbitres, termine en 3e position, voilà, Juno Leur qui est en ligne, allez, on retrouve derrière du coup des dizaines de personnes avec le manquette, avec Thomas, le meilleur grimpeur, avec Thomas, avec Brun, avec Lure, qui en termine à l'instant sur l'épreuve. Bravo. Les premiers, les 17 premiers, et on va retrouver le saut du Zuglet, le dernier du groupe de tête qui va prendre la 17e place dans quelques instants. Celui qui avait gagné la Ronde du Gabouk l'année dernière en élite, qui prend la 17e place. Voilà, un garçon qui avait pris la première place à Brouhaha également l'année dernière. Le 16e, puisqu'il en manque un sur les 17. Ah, il me semble que c'est le coureur U17 de l'ECP Saint-Pré-Pays-Trigor avec Huet qui va venir en terminer sur le final. Ah, c'est vrai qu'il avait été perturbé en début de course par la chute. Et il va en terminer dans quelques instants pour le classement junior. C'est important quand même de venir marquer un maximum de points pour Sohan Huet. Voilà qui en termine. C'est sa première année, il était encore cadet l'année dernière. Voilà, ça ira beaucoup plus facilement pour lui. Il avait chuté dès le premier tour hein, tout à l'heure. Le corps de l'essai des Saint-Pie de Trigor. Voilà, coureur de 17 ans seulement, donc qui vient d'en terminer à l'instant du peloton avec le Romain Weber, un cinquième de la classe des Pyrénées, vainqueur à l'Est de 20 cette année.
pour les places d'honneur, allez, pour les scores, pour le classement général et pour les classements distinctifs. Il y a quand même des points importants à venir chercher sur la ligne pour les récompenses tout à l'heure, pour le protocole du trophée Jovelli. Et on va retrouver le corps de Lamballe, hein, puisque c'est un corps de Lamballe qui a gagné l'épreuve. Et là, on va prendre la 12e place à distance pour Nicolas Vanner, le coureur du Vels Pays de Lamballe, en 19e position. On va retrouver Romain Weber en 20e position, Clément Cabot. Et en 21e position, Robin Lodez. Voilà pour la 22e place. Ouais, Bastien, c'est bien ça. 22e place. Avec Enzo Cabot qui vient de prendre la 22e place à l'instant en réglant l'ensemble du peloton. Voilà, on retrouve tous les leaders. Le deuxième du général vient de passer la ligne à l'instant avec Corentin Morvan, voilà, avec Michael Deuzet. Attention, 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 attention. Déjà brillé sur le cyclocross de Châteauneuf.